Pierre. Elle a roulé sur le trottoir, a été déviée par un petit caillou. Elle est passée sous le portail de la villa Esselin-Monde, où il est interdit d'entrer sous peine de punition. Tu l'as vu, ta balle ? Oui, là. Alors Pierre, il est entré. Pierre qui roule à la Stramousse, ta chanson est douce. Pierre qui ramasse, qu'on en passe, tu nous fais la trace. Il y a dans les histoires de Dorin une étrangeté, un côté fantastique, mais qui n'est pas si loin de la réalité. Cette espèce de quotidien qui dérape d'un coup, là, comme ça. Tiens, écoute, prends cette hache, coupe-moi en deux, prends la moitié qui t'intéresse, et ensemble, on va chercher ton oiseau. C'est ce qu'elle a fait, Claire. Elle a pris la hache et... Et elle a pris la moitié qui l'intéressait. Et ensemble, elles sont parties à la recherche. C'est effectivement, c'est pas un spectacle pour enfants uniquement, quoi. C'est un spectacle pour l'enfance et l'enfance contenue en chacun. Un terrain vague où Ange, Claire, Pierre et petit Louis s'en vont souvent jouer pour se retrouver unis. Dans le sol HLM de la rue Yvonne fit une lampe de garnement. Aux pommes trois pommes, ils se nomment Ange, Claire, Pierre et petit Louis. Chacun chez soi dans son logis, mais tous devant pour jouer unis. Au bout de la vue, Yvonne, une étrange bâtisse avec un très grand pas, une grille en fer forgé et sur le portail une plaque émaillée. Et ce ligne, bon, où il est interdit d'entrer sous peine de...